Je tiens nous parler de grand artiste haïtien ça qui c'est Reginald Kangé. Nous parlons pour un pile information pour sous artiste ça. Restez sur vidéo jusqu'à la fin parce que dans la vidéo ça on peut découvrir un pile bagage que vous pas de connaître. Pas oublier suivre page là sous pas de confesse ça. Une façon pour capable rester connecté avec nous pour pas rater aucune dans vidéo qui vraiment important que n'a porté pour vous. Mettez un like en bas vidéo ça si vous appréciez l'idée. Reginald Kangé lui-même, il fait pour presque date qui était 18 janvier 1978 là. Lycéen auteur, compositeur, interprète, acteur. Il était élevé dans la zone Carrefour, sud Port-au-Prince. Papa le relé Michel Kangé et maman le relé Adeline Delima Kangé. Lycée Benjamin dans un trio de trois frères. Et papa le te gagne trois petites duos. Quand on parle de carrière musicale, il était commencé depuis le petit Simon dans l'école primaire. Dans l'année 90, il était conjoué tambour dans un groupe qui s'est Alomandjaye. En pile nan mon groupe ça c'était universitaire mais malgré jeune âge li maman pas trop bal problème juste pour être capable faire partie de groupe ça parce que monsieur yo pas de fumer et ni yo pas de konn boire. C'est avec groupe ça que le tapal premier enregistré dans un studio chez Toto Larac et Alomandjaye tapal absent sur scène musicale là pour un temps indéfini. Ça qui tapal cause que le tapal déposer tambour juste pour être capable consacrer à étude li et dans époque ça yon ensemble musicien nan Carrefour t'a pral formé groupe ça qui c'est Faxid. Mais groupe ça pas arrivé faire succès. Il était vraiment découragé parce qu'il était vraiment passionné de musique. Il t'a pral fait contact dans zone Delma et puis rejoindre groupe jeune qui relait Groove qui t'a fait pas mal de succès surtout avec un vidéoclip qui était sorti qui était titré Mettez-moi sous ça. Yon promoteur t'a pral blou yo, ça qui t'a pral cause que en pile projet groupe ça t'a pral rete dans tiwa. Yon petit temps après yon zan mil krele Auguste t'a pral référé à Henri Jean-Louis pour chanter dans un groupe qui était à peine formé qui s'est fraîche. Et après plusieurs essais, li te jwenn chans li dans groupe ça. Ça qui t'a pral cause, li te quitté groupe parce que projet yo pas de jambe arrivé abouti. Et projet trou ba compas que li te jwenn chance pour participer, t'a pral permettre que yo découvri yon l'autre Reginald Kangé parce que li t'a pral profiter occasion pour te prouver talent. Et yon soir après séance d'enregistrement, yote assemblé yon ak lot à côté yon table juste pour être capable de parler de rumeurs qui tap circulé dans le monde musical haïtien. Question que yote interdit Gracia Delva pour rentrer aux États-Unis. Et puis yote a parlé de difficultés que Zenglet a rencontré. Et puis Henri Jean-Louis te demande Reginald s'il au courant que Zenglet a besoin d'un chanteur. Et Reginald a réfléchi, li te fait qu'on est si toutefois Zenglet a besoin d'un chanteur, ça a une grande opportunité pour lui. Parce que l'étape bien aimé jouer dans Zenglen. Elle t'a pas joué dans un club Pétionville qui s'est Tempo Plus. Côté que manager Zenglen lui-même était présent, malgré Reginald Kangé lui-même n'y pas de connaître si manager Zenglen était là, l'était baillon belle performance. Et c'est à travers de performance ça que Georges Balland, qui c'est manager Zenglen lui-même, l'étape pour le découvrir Reginald Kangé. Et Reginald Kangé lui-même t'a pas toujours une chance li parce que manager a été tout talent que original gagné dans soirée ça. Et Maestro Richard Jean Ira, nous voulons parler de Richie, il a fait plusieurs rencontres avec Reginald Kangé. Il a parlé avec Reginald Kangé juste pour être capable de connaître qui prix que est capable de payer. C'est une fois qu'il a décidé de jouer dans Zenglen. Et Reginald Kangé a répondu que vrai talent pas comparé même gens avec un fruit ou bien produit que vous étalé sur une table pour vendre. Reginald Kangé n'a pas choisi ici hein, pour plusieurs raisons. Parce que l'idée voulait toujours être libre parce que maman, dans l'époque, était sous compte. L'idée voulait être libre pour le faire tout ça parce que immédiatement, elle a pris un coup dans le monsieur. L'idée a eu une série d'opportunités que le pas de jouer. Eh bien, c'est ça qui fait qu'il n'a pas décidé de signer aucun contrat, ni pas décidé de prendre aucun coup dans la main. Et quelques semaines après, l'État a déplacé pour aller aux États-Unis. Et c'est là que Reginald Kangé lui-même a fait intro dans Zenglen. Et Reginald Kangé lui-même a gagné un jazz qui c'est facile que l'il a créé. Et actuellement là, il est cofondateur groupe Zafep qui a créé dans la date qui était 28 mars 2019 là. Lui-même ensemble avec Denis Seyid, c'est eux qui mettent ensemble juste pour être capable de former le groupe ça. Denis Seyid qui c'est un ancien membre Tabou Combo. Et premier album studio t'a pral sorti 5 mai 2023 qui gagne 16 titres sous li qui titré Las La Ligne ak Soleil. Et Reginald Kangé lui-même li chanté dans plusieurs langues, quel que soit le anglais, français, espagnol, créole,
li chante nan plusieurs langues. Reginald Kanje, c'est un artiste haïtien qui marque nous en pile que nous pas jamais oublier. Partagez vidéo ça pour capable arriver sur l'autre et puis suivez nous sur pas de faire ça, une façon pour capable rester connecté avec nous. À la prochaine pour une autre plus belle vidéo.